Salut mes élèves, PEI3, langue et littérature. Dans cette vidéo, on va aborder Jules Verne et romans d'aventure. C'est la première vidéo dans une série de vidéos à propos de ce sujet. Aimez-vous les romans d'aventure? C'est quoi un roman d'aventure? Connaissez-vous des titres des romans d'aventure? Connaissez-vous Jules Verne? Avez-vous déjà lu certains de ses romans? Si oui, lesquels? Beaucoup de questions à répondre, donc on va commencer par la biographie de Jules Verne. Jules Verne naît le 8 février 1828 à Nantes et mort le 24 mars 1905 à Amiens. Après avoir obtenu ses baccalauréats en lettres et en droit, Jules Verne poursuit ses études de droit à Paris. Il est un écrivain français dont une grande partie de ses œuvres est consacrée à des romans d'aventure et d'anticipation. En 1848, Jules Verne quitte Nantes pour Paris et commence sa carrière littéraire. En 1862, son premier roman « 5 semaines en ballon » remporte un grand succès. Jules Verne laisse derrière lui une œuvre riche d'une extraordinaire créativité. C'est l'un des premiers auteurs à mêler avec autant de succès science-fiction et aventures fantastiques. Ses romans sont, pour les lecteurs, l'occasion de découvrir des terres inconnues, d'accroître leurs connaissances en géographie et de découvrir de nouveaux thèmes scientifiques. Écrivain et visionnaire de génie du 19e siècle, Jules Verne a écrit de nombreuses œuvres d'anticipation qui sont à l'origine des technologies que l'on utilise aujourd'hui, comme, entre autres, l'hélicoptère. Les sous-marins. Et le voyage dans l'espace. Voici quelques œuvres de Jules Verne. Le tour du monde en 80 jours. 20 000 lieues sous les mers. Voyage au centre de la Terre, de la Terre à la Lune, 5 semaines en ballon, de plus, il a permis à des milliers de lecteurs de se familiariser avec la géographie et les sciences de la Terre. Ces romans seront fréquemment adaptés au cinéma.
Les œuvres de Jules Verne sont traduites dans toutes les langues. À la fin de notre vidéo, je vous dis merci mes élèves et à la prochaine.